Le musée d'archéologie de Nice. C'est marrant parce qu'il a été mis à côté du musée Matisse. Il y en a des choses à lire. Ah, les joueurs de boules. Qu'est-ce que j'en ai vu ici jouer aux boules? Ça ne change pas. Il y avait même mon ex-copine Angie qui venait jouer ici. Eh ouais. Et les joggers. Ah, j'en ai vu des joggers passer ici. Et surtout moi, qu'est-ce que j'ai pu en faire du jogging ici? C'était vraiment génial. J'aimais bien. J'ai toujours aimé le musée Matisse. Beaucoup d'espace. Oui, beaucoup d'oliviers, je sais. Ah, puis des allées artistiques. Parce qu'il y a Miles Davis là-bas. Je sais qu'il y a Miles Davis. Ah, je me prosternais tous les jours. Ouais. Il y a plein d'allées artistiques comme ça, j'adore. Donc c'est vraiment. C'est l'un des endroits que je regrette sur la Riviera. Et voilà, je le prouve qu'il y a des joggers. Oh, ça c'est génial. Là aussi, qu'est-ce que j'ai pu répéter? Forcément, c'est pas de ma paire de bottes que je vais venir répéter là. Ah ouais, on sait un peu. Ouh. On n'en fait plus des comme ça. Merde, on voit rien. Ah si, ça y est, là on voit. Elle est belle celle-là. Hein. Ça, c'est du talon, ça. Ça c'est du talon. Ah qu'est-ce que j'ai là? Oh, c'est pareil, j'ai pu répéter ici. C'était génial. Bah oui, forcément quand vous arrivez à je ne sais pas quelle heure du matin, comme je disais dans l'autre vidéo, quand vous arrivez à 6h30 du mat, 7h, il n'y a personne. Donc qu'est-ce que j'ai pu répéter dans ce genre d'endroit? Je dansais dans tous les sens. Oh, c'est pas si lointain que ça. 7-8 ans? Oh, c'est déjà pas mal, 7-8 ans. Allez, je trompe la love.